Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo test achat des produits chez Action. Alors, que ce soit dyes ou planches embossées et acrylique. Alors, je vais commencer d'abord par acrylique. Alors, vous serez dans ma vidéo, ma dernière vidéo, j'avais présenté ça. Alors, je les ai testés. Alors, franchement, je ne suis pas déçue du tout. Alors, je vous montre pour ces trois couleurs. Voilà, franchement, ils sont parfaits. Ils sont bien métallisés, il n'y a rien à dire. Ça sèche très vite par contre. Voilà. Il n'y a vraiment rien. Bon, il faut attendre un petit peu. Mais sinon, ça sèche très vite. Là, je viens juste de le faire. Ça n'a pas trop séché encore. Mais là, là c'est bon. Voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Mon papier n'est pas. Avec des paillettes, hein, si jamais. Hein. Voilà. Alors, franchement, je suis très contente du résultat. Voilà. Très contente. Alors voilà. Alors pour cela, la même chose. Je suis pas déçue du tout. Vous voyez que ça brille bien. L'effet là. Faut bien secouer les bouteilles avant de les utiliser et puis vous aurez votre voilà. Franchement, j'en suis très contente et je ne regrette pas. Alors, sinon les produits là coûtent, je vais vous dire, j'ai gardé le ticket pour vous dire. Alors, qu'est-ce que je retrouve? Alors, ça s'appelle comment? Métallisé. Voilà, alors c'est €1,89 le paquet. Voilà, 1,89 le paquet. Alors, franchement, ça vaut le coup et le résultat est là. Franchement, il n'y a rien à dire, j'en suis très contente. Je me répète, mais voilà, je dis les choses comme je les vois. Vous pouvez voir vous-même, hein, ça métallisé, ils sont là, hein. Même chose pour là, hein. Ils sont vraiment magnifiques. J'espère qu'il y en aura d'autres bouteilles comme ça, d'autres différentes couleurs. Voilà. Alors voilà pour le test pour ça. J'ai fait le test des dyes là, ceux-là. Bon, je pense qu'il y en a qui ont déjà acheté ça. Mais bon, je voulais faire le test quand même. Alors pour cela, voilà le dyes et la découpe. La voici. Alors là, j'ai dû enlever tous les petits points sur le dies. Voilà, sinon ça s'est très bien découpé, il n'y a rien à dire, la qualité est là. Sauf qu'il faut juste enlever les petits points après, une fois que la découpe est faite. Voilà. Après, celui-ci. Voici la découpe. Alors celui-ci parfait,
n'y a rien à dire, ça c'est très bien enlevé, voilà, nickel, j'en suis contente aussi. Après, pour le dies, là, avec les cœurs, alors là, celui-là, nickel aussi, ça c'est très bien détaché, il n'y a rien à dire. Voilà, et j'en suis très contente. Et le dernier, la même chose, ça s'est très bien découpé, il n'y a rien à dire, j'en suis très contente. Voilà, alors je regrette pas de les avoir achetés, bien sûr, non, je regrette pas du tout, même très contente de les avoir trouvés. Voilà. Rien à dire, la qualité est là, on voit que c'est qu'il y a de la qualité quand même. Voilà, voilà pour les dies. Maintenant je vais vous montrer pour les plaques de gaufrage, parce que j'ai, je crois que j'ai pas vu de vidéo sur ça, comment ça se, le dessin ressort. Alors, j'ai pas fait le tamponnage, bien sûr. Hein. J'ai juste fait. Alors, la plaque, elle est là. Et le résultat est là. Voilà. C'est très joli. Les fleurs, elles sont magnifiques. Vous pouvez faire des deux côtés. Voilà. Ça, c'est très bien bossé, bien marqué et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. J'en suis très contente. Pour le tamponnage, vous pouvez, je peux le faire devant vous comme ça. Alors, voilà, on va faire ensemble pour que je vous, que vous voyez ce que ça donne. Alors, voilà, nickel. Voilà. Nickel, il n'y a rien à dire. C'est parfait. On va essayer un comme ça. Alors, par contre, on voit que ils sont pas faciles à enlever, par contre. Alors là, je pense que je vais le faire là. Je sais pas si. Voyons. C'est un peu grand pour mettre dans le cadre. Il faut soit choisir le cadre ou un des trois, en fait. Hein. Sinon, ça. Voilà. Mais je vais les faire à côté, comme ça vous allez voir un peu le dessin. Voilà, nickel. Voilà, je vais juste prendre une lingette. Voilà. Et l'autre. Ouais, elles sont pas faciles du tout pour ouvrir. Bon, ils sont tout nouveaux, c'est pour ça, mais après ça sera bon. Voilà. Alors celui-là, si je le mets à l'endroit, ça serait parfait.
Voilà, nickel, premier coup, hein. Vraiment parfait. Parfait, il n'y a rien à dire. Voilà, nickel. J'en suis contente. Je vais faire l'autre. Par contre, j'ai pas le truc là. Alors, celui-là, il est parfait. Alors, l'autre, le plus petit, donne ceci. Voilà. On va essayer le tamponnage. Alors, le tamponnage, c'est celui-ci. Alors, on fait. Voilà, je le mets bien dedans. Parfait. Nickel. Alors, on va essayer le papillon. Alors, papillon, par contre, on peut le mettre avec le cadre. Qu'avec l'autre, on ne pouvait pas mettre avec le cadre. Ce qui était une chose qui était c'était dommage de ne pas pouvoir le mettre dans le cadre. Alors, après, là. Ici, voilà, sinon dans le cadre il irait aussi. Ouais, dans le cadre il irait aussi. Alors déjà c'est bien. Voilà, alors je vous montre. Alors, le papillon, voilà. Voilà, franchement très bien, tamponne très bien, tout est parfait pour l'instant. Voilà, avant dernier c'était cette grosse plaque, elle rentre juste dans ma machine et ça donne ceci. On va essayer les tamponnages. Alors. Le cadre. On va faire comme ça. Voilà. Nickel. Et là, je vois dans le cadre, il y a des petits cœurs. Je vais vous le montrer après. Trop beau celui-là. Voilà. Et là, on ne peut pas le mettre dans le cadre. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà, et l'autre.
Voilà. Ah, je l'ai mal tamponné, mais bon. On voit quand même que la qualité est une. Voilà. Alors, je vous montre. Alors, le canne avec des petits cœurs, tout mignon. Voilà. Et les deux tampons. Voilà. Sinon, il marque très bien, il n'y a rien à dire. Très contente. Voilà. Et le dernier, c'était une plaque comme ceci. La même chose, elle rentre juste, juste. Et ça donne ceci. Voilà. Bah, franchement, je trouve que ce que je vous ai montré, bah, j'en suis très contente. Et il y a la qualité. La qualité est là. Voilà. Franchement, pas déçue du tout d'avoir de les avoir achetés. Voilà. Alors, voilà. Voilà, alors. Tester les produits Action sont terminés. Dites-moi si ça vous intéresse que chaque fois que je vais à Action et que je trouve des choses comme ceci et que vous voulez que je teste, bah, dites-le moi et puis je vous ferai la vidéo avec grand plaisir. Voilà, alors si vous avez mis un petit pouce en l'air, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Et partagez. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!